numéro 1. Du coup, je vais partir en Espagne pendant 5 jours et vous allez avoir un vlog de poster le jour d'après pour que le monteur il ait le temps de faire le montage. Du coup là, comme vous voyez, je viens de me réveiller. Il est exactement 5h20. Je suis réveillée à 5h mais je suis restée sur mon tel. Là, il faut que je me grouille parce que je dois finir ma valise. Enfin, mon sac, parce qu'on ne peut pas avoir de valise. Et je vais prendre ma douche et voilà. Puis, je vais faire mes soins et tout et on va partir. Du coup, voilà. Coucou, on est à l'aéroport et là, on va vite aux toilettes. On a oublié, il faut des masques pour dans l'avion parce qu'on va à Barcelone. Et du coup, ma maman a été vite en acheter. Du coup, là, il reste genre 5 minutes avant qu'on embarque. Du coup, les filles, faites pipi vite. Moi je fais pas pipi, jamais. Mais voir dans les toilettes de l'aéroport c'est dégueulasse. Faut pas qu'on se perde après. Hein. Au pire j'ai la vidéo, on pourra faire le choix. Grouillé, je mets le chronomètre. Du coup là on va prendre l'avion. Et là il est genre. Attendez, on regarde l'heure. Il est 8h07 et on embarque à 8h15. Du coup on va être en retard, du coup faut qu'on se grouille vraiment. Je vais mettre le masque après, ça va être horrible. Du coup, voilà, je suis un peu fatiguée, mais ça va, j'ai pris tous mes trucs de soins et tout. Je vous ai pas dit. Je suis un peu bête parce que vous voyez, en fait, moi j'ai tout le temps du parfum sur moi, vous voyez, parce que c'est important le parfum. Et du coup, j'ai pris ma pomme Victoria, sauf que j'avais oublié que c'était 100 ml. Du coup, ils me l'ont pris, ils m'ont jeté à la poubelle alors qu'elle était nouvelle et qu'elle était en coco. Du coup, voilà, j'ai un peu le seum. Genre vraiment un peu. Mais des petits touriches. Pourquoi t'as enlevé tes chaussures? Hein, tu t'es changé? Let's go, Béa s'est changée en training du club. Ok, on va monter dans l'avion. 3, 2, 1. Voilà, on est dans l'avion. Et je pense qu'ils sont pas cramés, que j'étais pas une adulte. Du coup, c'est bien, ça a fonctionné. Si jamais il arrive quelque chose, merci pour tout. Je vous aime. Et on va sortir. Voilà, il fait déjà plus beau qu'en Belgique. On est arrivé avec Béa. Les autres, ils ont été aux toilettes encore. Purée, ils vont trop aux toilettes, je comprends pas. Là, on surveille et on met un petit cœur. Voilà, en note. Là, on attend les cerceaux. J'espère qu'on va les trouver. Hein, parce que la dernière fois, on avait mis longtemps à les trouver. Mais le problème, c'est que je me souviens plus où ils étaient. Du coup, on va les chercher. Et je vous refais une transition quand on a les cerceaux. Ok, voilà, on a trouvé les cerceaux. On a pris du temps, mais on les a. Il y a plein de palmiers. Alors, le monsieur du taxi. Ok, du coup, là, nous allons rentrer dans le taxi et on va aller à l'hôtel. Voilà, on est dans le taxi. Je suis avec Erika et Elena. Et là, devant la pauvre. Et en vrai, le vol, ça a été. On n'a pas eu. En vrai, il n'y a rien eu de. Ouais, avoir les oreilles parce que j'ai eu fort mal au début quand on a commencé le tout début à descendre. Donc ça a été l'aéroport, enfin c'est comme ça quoi. Tout, à chaque fois que je vais en Espagne, je filme la vue de là parce que c'est le premier endroit qu'on voit dès qu'on sort. C'est super beau. Et sinon voilà, ça va. Moi j'ai juste faim. Ouais. Mais il y a 2 heures de plus ou moins 1h30 entre 1h30 et 2 heures de trajet. Avant qu'on aille manger, et du coup là je suis en train de réfléchir où on peut aller manger. Voilà, là il fait assez chaud dans le car, mais sinon dehors il fait 6 degrés, du coup je suis un peu déçue parce que je voulais qu'il fasse chaud. Bia elle a carrément pris son maillot, elle pensait qu'on allait aller dans la piscine alors qu'on est en hiver. On peut aller dans la mer aussi. Dans la mer? Oui. Encore pire, l'eau elle est plongée. Voilà, là on arrive à l'hôtel, il est super beau, regardez. Voilà, il y a la mer juste en face, du coup on a vu sur la mer.
Et voilà, là on n'a pas encore la chambre, du coup on a mis les affaires dans une petite pièce. Et là on va aller manger. Voilà, je vous montre un peu la vue quand on est sur la terrasse de l'hôtel. Enfin, il y a la vue. C'est super beau. Voilà, là on est au restaurant. Moi j'ai pris du risotto, elle a pris des pâtes carbo bolognaise. Carbo. C'est Erika qui a pris boulot. Erika, elle a pris pas de boulot. Et Lina, elle a pris pas de tambour. Avec Béa. Du coup, moi, je prends les risotto, je suis la sœur, j'espère que ça va. Voilà la transition. Mais pourquoi c'est moi ça fait drôle et pas chez vous? Alors que moi, je la connaissais. Du coup, voilà, moi, j'ai eu du coup mauve pour je ne sais quelle raison. Mais il est mauve, hein. Moi, je trouve que c'est mauve. Ouais, j'avoue. C'est beau. Ça, c'est de la carbonara. Là, c'est de la carbonara. Vous pouvez vous servir dans tout. Hein. Moi, je partage. Voilà, il est super bon. Vous aimez bien? T'aimes bien, Erika? Vraiment? Ouais, vraiment. C'est bien. T'aimes bien? Et toi, combien sur 10? Moi, sur 10, moi. 9 et demi. Moi je donne 10, c'est super bon. Et voilà, là on va faire les magasins et on va vous montrer ce qu'on va acheter. C'est gentil. C'est pas gentil. Après vous me répétez. Ok, là je vais faire un petit room tour de l'hôtel. Oui, du coup là on rentre, là il y a les toilettes que je vous montre après. Là, nous avons notre petite pièce. Là sera ma maman et là moi. Voilà. Là, nous avons Erika, l'œuvre d'art numéro 1. Puis Béa, l'œuvre d'art numéro 2. Ici, on a des petites marches. Hop, hop. Là, nous avons la garde-robe, la buanderie. Là. Et là, il y a la petite pièce de Erika et Béa. Et là, nous avons la vue. Magnifique, et on va voir les gens qui vont passer comme ça. Ça, c'est la petite vue qu'on a de la chambre. Ok, là on a été dans l'hôtel. J'ai fait des petites coiffures aux filles. Là il fait, ça va, il fait pas très très froid. Je pense qu'il doit faire genre 7-8 degrés. Et là on retourne en ville pour faire un peu les magasins et manger comme d'hab. Du coup là il fait un peu noir, c'est plus stylé, c'est esthétique. Ça, high city. J'allais dire ça, mais après je me suis dit c'est pas très high city en vrai. Et on va essayer de négocier pour manger une glace et moi et bien prendre un bubble tea. Du coup là j'ai fait les photos, maintenant on continue la vidéo. Du coup on va aller au Kiko, au Supernova s'il ouvert. Au Aléop. Mais au Aléop on a déjà été. Si quelqu'un veut acheter un doudou. Moi. Voilà. Premier magasin Supernova. Regardez, elles sont super belles. Il y a aussi celle de Stranger Things. Là. De mon cordon. Celle qui est bonne. Elles sont super stylées. Voilà, là, on vient d'aller au Kiko et j'ai trouvé le gloss Hydra 4. Je suis trop contente. Du coup, il est super beau. Ouais. Je vais vous montrer. Attendez. Et après, c'est fini parce que pendant la nuit, il fait plus. Regardez. C'est celui-là. Il a coûté 9,49€. Et la madame, elle nous a donné les 1 cent. Regardez. Attendez, il faut de la lumière. Bref, il est très très beau, mais il faut de la lumière parce que sinon il brille pas. Ah oui, mon cousin, il avait fait ça avec Joe. Voilà, là on est dans un petit restaurant pour manger. Moi, je suis pas faim. Mais allez, non. Allez, prenez. Allez, ok, mais alors pas de sandwich, tu prends juste patatas bravas. J'ai pas faim. Moi j'ai pas faim du tout. Et du coup voilà, là on va manger. Moi j'ai pris un tout petit sandwich au fromage parce que j'ai vraiment pas faim avec des patatas bravas. Et après on ira prendre sûrement des choses ou un dessert. Mais si.
Non, d'après. Parce que là, c'est bon. Voilà, je sais pas si vous me voyez. En tout cas, c'est super bon. Petite dégustation. Attends, regardez, ma patate. Voilà, ma patate. Bon app. Bon app. Voilà, moi j'ai eu mon petit sandwich. On a attendu 15 minutes pour ça. Après, eux ils ont leur plat avec l'escalope. Et moi j'ai un sandwich. Du coup, tiens. Bon appétit. Une petite dégustation de mon sandwich. Et en fait, ce qu'ils font les Espagnols, c'est qu'ils mettent pas de ketchup, ils prennent une tomate et ils écrasent contre. Et c'est super bon. Voilà. Un œuf. C'est super bon. Et moi il a fait. Ok, transition. Voilà, là on était au magasin. On a acheté des pommes. On a acheté des barres de céréales. On a acheté 3 bouteilles d'eau. On a acheté des biscuits Belvita. On a acheté des yaourts. On a acheté des noix de cajou. Et de l'eau. Et de l'eau. Du coup, voilà, on a fait notre petite provision pour dans l'hôtel. Et là, ben, on marche pour retourner à l'hôtel. Là, à l'hôtel, on verra ce qu'on va faire. On va prendre nos douches. On va rester chill. Demain, c'est Elena et Rika. Elena, elle passe vers 14h. Et Rika, elle passe vers le soir. Coucou, du coup, là, on revient du supermarket. Il faisait très froid, comme vous pouvez voir mon visage, je suis toute rouge. Là, on est avec Rika. Béa, elle va aller prendre sa douche maintenant. Du coup, on va vous montrer qu'est-ce qu'on a acheté. Donc, d'abord, nous avons acheté des pommes. Béa elle a pris une pomme verte et moi j'ai pris deux pommes rouges. Une pour demain. Ça, hop, ça, on met dans le frigo. Moi je mets mes pommes dans le frigo. Ça reste bien croustillante. Là c'est du café cappuccino pour ma maman. Tu peux pas mettre dans le frigo. Oui. Nous avons pris des Belvita qui sont ouverts. Voilà, c'est comme ça. Belvita nature, malheureusement, il n'y avait pas ces pépites de chocolat. Mais ça, on ne met pas dans le frigo. On mangera avec yaourt. Ouais, avec le yaourt. Ensuite, nous avons pris 3 bouteilles d'eau. Numéro 1, numéro 2 et numéro 3. Qui aura la verte? Ben, Béa, vu que tu ne bois pas dans les bouteilles des autres. Okay. Au moins, je ne trompe pas. Cool. Voilà nos 3 bouteilles. Ça, dans le frigo? Mais il y a l'étiquette. Dans le frigo? Ouais. Oui, c'est... Toi, dans le frigo, Erika? Oui. Moi pas dans le frigo, parce que l'eau froide c'est pas bon pour la santé. Non, vraiment pas, tu peux aller voir sur internet. J'étais chez le médecin, elle m'a dit qu'il faut jamais boire de l'eau froide. Pourquoi? Parce que là, c'est pas bon pour la santé. Ok, ça c'est des barres de céréales, moi je vais en manger une, mais non, par contre. Moi aussi. Moi je vais boire avec. Ok, on va faire une dégustation. Tu vas raconter, moi je prends juste une fois pour faire la dégustation. Après elle aura... Il y en a 6 et on est 3, du coup on aura 2 chacune. Facile, non? On prend une et on goûte à 3 ou on prend chacune une? Ok, chacune une, j'ai compris. Ah non, j'aime pas le papier comme ça. Mais non, après c'est impossible d'enlever. Voilà. Tiens, Béa, facile. Alors, comment ça se fait pour raison? C'est un petit sachet déjà pour la pollution, ce n'est pas ouf. Ça sent très bon la banane, mais ça a l'air très chimique. Oh, ça sent trop bon. Ok, tiens, là à côté, mange ça. 3, 2, 1. Ça goûte ce que ça sent. En vrai, c'est bon. Ça me goûte la banane. Banane et ensuite chocolat, du coup. C'est très bon. J'aime beaucoup la banane. Quand tu manges plus tard, on sent le céréal. Moi, j'aime bien. Ouais, moi aussi, j'aime. Combien sur 10? Moi, j'irais 9. 9. 9 aussi. Ok, moi, ça, je mets dans le frigo. Ouais. Ensuite, nous avons pris des noix de cajou au sel. C'est mes préférées. Mais j'aime bien celle à l'ail aussi. Je crois qu'en plus c'est mon chat. Oh là là. Donc, voilà, et tout de suite, moi, ça, ça c'est en collation aussi pour le guignoter. Et pour terminer, il y a les petits yaourts à la fraise. Pour le matin. Il y a deux fraises. Et il y en a deux chacune. Ouais, mais je me suis trompée. Et là, il y a une étiquette. Et on a payé pour tout ça 22,50€. C'est pas cher. C'est moins cher qu'en Belgique. Ouais, c'est vraiment. Et voilà, le petit haul est fini. On se retrouve quand on a toutes fini de prendre notre douche. 3, 2, 1, transition.
Ça aurait été drôle. Ok, voilà, là, moi j'ai une petite idée. Let's go pour faire les soins pendant que eux ils ont peur. En train de badiner. Mais il y avait quelqu'un chez la fenêtre. Chez la fenêtre, carrément. Oui. Il a dit viens, mon pote, viens, je t'invite chez moi. C'est quoi ça? C'est pareil? Non, c'est des bâtonnets pour Madame de la Sogar. Ah non, mais je veux. Sogar. J'ai entendu quelqu'un qui a toqué sur la fenêtre. Mais c'était Béa, elle a pris le. Mais non, c'est pas vrai. Et moi, quand j'étais avec personne. J'avais une main. Je crois que j'avais vu. Oui. Je rigole. Voilà, j'espère que le vlog numéro 1 vous aura plu. On se retrouve demain pour le vlog numéro 2 avec la compétition de Erika et de Elena. Erika qui va faire sans engin, cerceau et ballon. Et Elena qui va faire juste sans engin. Erika est en. Ok, je dis à sa place parce qu'elle a pas suivi. Erika division 1 2013. Et Elena division 3 2015, je pense. Voilà, bisous, bonne nuit. Bye. Faire transition. Tu veux sur l'autre ta droite? Quoi? Attendez, attendez. Tu n'as pas fait ton devoir maison. Claudette. Claudette. Oh non, quel dommage. Tu me laisses en retenue. Allez. Attends, mais moi aussi je vais essayer de. Oh, essaye pas, tu peux tomber. T'es vulgaire, petite. Bon, bonne nuit.